Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai des gants. On m'a envoyé, regardez ça, une petite Game Boy Advance qui est dans un état. Voilà. Et ça a pas l'air, en fait, ça a pas l'air d'être de la rouille. Ça y ressemble. Ça y ressemble, mais ce n'est pas de la rouille. Ça a l'air d'être autre chose. Et donc, le but aujourd'hui, ça va être de la refaire. Et potentiellement de la refaire fonctionner. Et du coup, son propriétaire m'a même envoyé le mode complet, donc coque, écran IPS, et puis c'est tout. Et on doit refaire ça. Dans un tas d'ordures en Thaïlande, même pas. Même pas, même pas. Donc on va venir s'occuper de ça et on va espérer qu'à l'intérieur, ce ne soit pas en trop mauvais état. Et on va vite se débarrasser de la coque. Tu voudras la conserver, la coque, ou pas, Blout? D'ailleurs, le truc qui me fait le plus peur, c'est pas forcément l'état de la console. Je suis pratiquement sûr que là, si je lui mets des piles, elle démarre, mais je vais pas le faire. Mais c'est plus le mode qu'on va faire. Parce qu'en fait, le mode que l'on va faire, c'est un mode AliExpress. C'est pas un mode Funny Playing. Donc j'avoue, c'est plus ça qui me fait peur, de la qualité du mode. Non, merci pour la coque. Ok, ah, c'est comme tu veux, hein, je te la renvoie, hein, bien sûr, avec plaisir. Des coques GBA, j'en ai bien assez. Je pense que celle-ci, elle allait directement, malheureusement, au recyclage. Hein. Bien sûr. Ok. Donc j'ai mis des gants parce que je sais pas ce que c'est qui est dessus. Je sais pas si c'est de la rouille ou si c'est des champignons ou si c'est des déjections d'insectes. D'ailleurs, j'ai très peur s'il y a des insectes qui sont là et là ou de l'autre côté. Au niveau de la... Bon, allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah non, il reste une vis là. Faut pas l'oublier, celle-là. Tendance à l'oublier. Elle nous vient de la Réunion. Du coup, c'est une console qui nous vient de la Réunion. D'où potentiellement des traces d'humidité et tout. Ok. Ok. C'est très très propre. Oh, j'ai parlé vite. Directement ce barré de là. Ça avait l'air plutôt propre, mais là, le souci ne vient même pas de la rouille ou quoi. Et voyez, on a un peu de vert de gris ici, donc de corrosion, ok. Et on voit que ça a quand même pas mal attaqué toute la partie qui est là. Donc on va essayer de venir nettoyer au maximum et de s'en sortir avec cette petite machine. Toi, je te mets sur le côté. On va débrancher l'écran et voir de l'autre côté. La nappe est très brillante. Ok. Et dans quel état ça va être de l'autre côté? Au niveau du haut-parleur, je pense que ça va être assez, assez cocasse. En vrai, ça va. Ouais, donc c'est bien ça, hein. C'est de l'insecte, hein, plus qu'autre chose. Alors, étonnamment, les insectes ne sont pas rentrés dans la console. Étonnamment. D'accord. Ça s'est collé malheureusement avec le vert de gris, mais on va essayer de sauver ça. Ça va être ça qui va être le plus problématique. Mais c'était bel et bien des insectes, hein, du coup. On voit qu'il y a des petites ailes et tout. Ouais, c'est des insectes. On voit qu'il reste des petits cocons, des petits machins. Ok, on va essayer de récupérer l'écran. Et tout le reste ira au recyclage. Pour des raisons hygiéniques. Hop. Et donc ça reste un classique. C'est l'écran qui se corrode avec le temps. Ok. Donc les boutons, tout ça, je vais mettre ça. Hop. Ah putain, ça se trouve les membranes, je vais devoir les garder. Ce n'est pas dit qu'elles soient fournies avec le kit. Je vais garder au moins les membranes. Et tout le reste, j'avoue, j'ai pas envie de le conserver. J'en ai déjà plein. Il y a des petits trucs que je vais garder, genre ça.
Hop, les petites lamelles, parce que souvent ça peut servir. Et au pire des cas, je récupérerai d'autres coques que j'ai. Et tout le reste, je le tais, je prends pas, j'ai pas envie de garder ça. Je sais pas ce que c'est pas très propre, j'ai pas envie. Ok. Elle est encore trop propre pour qu'elle passe sur JVC. Ah, mais pour que ça passe sur JVC, il faut que ce soit avant tout Bonjour, faux. c'est bien ici les consoles custom Ah et là là puis là là les là là. cafards? Custom. Eh oui. C'est bien ici, c'est bien ici. Et donc, comme je disais, elle n'est pas en si mauvais état que ça. Le seul gros problème, ça va être la corrosion, qui est bien présente. Qui est vraiment bien présente, regardez, elle remonte jusque-là. Ici, on en a ici aussi, on en a tout là. Ouais, il va y avoir un gros taf pour la corrosion. La bobine ici, elle a pris un petit peu cher. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un entretien, on va faire un nettoyage. Tu vois, on a des petits cocons, qui se promènent un peu partout. Hop. Mais sinon, tu vois, s'il n'y avait pas eu cette corrosion, donc je suppose que c'est une console qui a gardé ses piles d'origine, enfin pas d'origine, mais d'époque, trop longtemps. Ça, c'est les choses qui arrivent à tout le monde. Hein. Malheureusement, ça, on a tous fait l'erreur de laisser les piles dans la console. Il y a moyen que ça reparte. Non, il y aura un mode, justement, il y aura un mode IPS pour celle-ci. Il y aura un mode IPS. Et c'est un mode IPS. Je vous mettrai le bon lien maintenant dans les VOD parce que, bah, en plus de ça, du coup, ça a été, le mode a été récupéré sur un de mes liens, d'une des VOD. Sauf que c'est une vieille VOD. Donc maintenant, je conseille plus trop ces modes-là. Mais bon. Ça devrait le faire, on en a déjà fait. Donc là, il faut juste espérer un truc, c'est que la corrosion n'est pas trop. Oh là là, ça va être compliqué là, la corrosion. Apparemment, il va y avoir un gros taf de nettoyage, hein, malheureusement. À mon retour chez mes parents, mes Mega Drive et SNES et tout. Ah bah oui. En plus de ça, sur les SNES et tout. Alors en vrai, niveau corrosion, tu vois, sur la GBA, l'écran prend direct. Le blindage de l'écran arrière, il prend souvent très très fort. Comme il est juste en acier, en métal classique, il est souvent très rouillé. Là, il ne l'est pas. Donc je suis pas sûr que. Là, une fois de plus, là, le gros problème qu'on a eu cette-ci, c'est qu'effectivement, dans tes Mega Drive et tout, les insectes ont plus tendance à rentrer dedans facilement. Là, c'est plus facile pour un insecte de rentrer dans une Mega Drive que dans une GBA. Donc c'est peut-être plus ça, visiblement, que tu risques d'avoir comme problème. Maintenant, effectivement, le souci de la corrosion, ça va être le blindage, quoi. Et en vrai, le blindage, ça va être, on va dire, le cadet de tes soucis. C'est pas ce qui va empêcher le fonctionnement de la console. Tant que le PCB en lui-même. Et là, tu vois, sur celle-ci, en plus, la corrosion, ça a l'air d'être vraiment parce qu'il y a eu des piles qui sont restées. Sinon. Sinon, elle n'est pas en si mauvais état que ça. Hein. Et même au contraire, la carte mère est vraiment en bon état. Elle est vraiment en très bon état. On en a déjà eu en plus mauvais état que ça. Donc. Mais là, c'est vraiment la pile en elle-même qui est venue se lâcher, si je puis dire, dans la console. Petit bornier de pile, hein, bien sûr, qui a pris relativement cher. On viendra la tester, hein. On va pouvoir la tester quand même malgré tout. J'aimerais bien juste vraiment enlever le maximum de corrosion. Bienvenue à toi. J'arrive pas à lire ton pseudo. Trop de lettres et trop de chiffres. Bienvenue à toi en tout cas. Donc premièrement, nettoyage. Je ne sais pas dans quel état va être l'interrupteur aussi. S'il a été corrodé au niveau des pistes, ça on le verra après. On va nettoyer un petit peu de l'autre côté et on va essayer de l'allumer.
Ok. Là, la grosse interrogation, ça va être tous les VIA qui sont présents sur la console. S'il y en a qui sont rompus, ça risque d'être très compliqué de la remettre en route. Mais avec un peu de chance, ils sont encore bons. Tu vois là, c'est quand même un peu attaqué. Je gratouille un petit peu les pads métalliques. Ok. On en avait déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait déjà eu une qui avait été modée par un professionnel en IPS. Avec la coque et tout, et quand on l'avait démontée, elle était toute corrodée à l'intérieur. Je sais pas si vous vous souvenez de celle-ci. On avait une, elle était vraiment attaquée salement, alors que c'était censé être fait par un professionnel et tout. Aïe, putain, il y a aussi du vert de gris ici, qui est remonté jusque là, visiblement. Suis pas forcément positif là sur celle-ci, étant donné que ouais vraiment elle est bien attaquée. J'espère juste que ça n'a pas rompu les connexions. C'est tout ce que j'espère. Ça malheureusement. On ne le saura qu'en la mettant en route. Ouais là je nettoie tout à l'alcool iso. À plus le thérion et bon courage. Donc là, c'est de l'alcool à 99,9. Alcool isopropylique. Lui, ça va. La membrane n'est pas trop attaquée. Les pistes là-dessus, je sais pas, pas forcément, en vrai, hein, je sais pas du tout. Hein. Je ne sais pas du tout, justement, si elles sont particulièrement sensibles. C'est quand même rare, des GBA qui fonctionnent plus. Là, je pense que déjà, l'interrupteur, va falloir le changer. Ou du moins le démonter et tenter de le nettoyer au maximum. Voilà. Je mets un petit coup partout, puis après on passera au chiffon. On va essayer de la mettre en route quand même après nettoyage. Voir un petit peu ce qu'elle raconte. Pas besoin de jeu, rien, juste la mettre en route, hein. Je vais l'allumer avec l'allume de labo. Ce sera le plus pratique. Je sais plus si j'ai des carcasses de. Je crois pas avoir des carcasses. Des cartes mères du moins de GBA. GBA SP, j'ai. J'en avais une. Mais là-dessus, je sais pas. Non, non, pour la belle GBA. Ouh, t'as pas vu dans quel état elle était T'as vu sur... T'es passé par Twitter ou pas? Par Twitter ou par ma story Insta?
On a quand même pas mal réussi à la nettoyer, en vrai. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Par mon onglet de fave sur Chrome. Oh là là! Quel plaisir. Ok. Bon, on va essayer de la démarrer. Et en vrai, avec les gants, ça fait pro, hein. Trop pipou le PCB blanc. Ah, mais c'est pipou une GBA. Je pense que les gants, je peux déjà les enlever. On a passé la plupart de la carte mère à l'alcool ISO. Je pourrais les enlever. Bloods qui croise tout ce qui peut croiser, je pense. Là, je pense que si elle démarre pas, on va regarder pour l'interrupteur. Si elle continue à ne pas démarrer, on pourra regarder pour potentiellement le. Du coup, complètement contre-productif que je suis en train de faire. Hop, voilà. Okay. Les taches, c'est des taches d'insectes. Prendre ça. Donc dedans, on est censé avoir du 3 volts avec la batterie, avec les deux piles AA. Donc on va lui injecter du 3 volts. Je suis à 3,7. Je vais mettre 3. Voilà, 2,89, c'est très bien. Et pas besoin de lui envoyer 1 ampère, ça paraît beaucoup. On va baisser à voilà, 350 mini. C'est très bien. On va connecter le plus. Ok. Le moins. J'envoie du courant. Il y a une petite consommation. Pas de signe de vie. Pas de signe de vie de la console. Zéro consommation, rien. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Essayez d'aller voir ça. Déjà, on peut tester le multimètre. Avec le multimètre, on peut tester directement le fusible. Et ensuite, on va aller voir l'interrupteur. Quand tu vois toute la corrosion qui est autour, l'interrupteur, ça m'étonnerait peu. Qu'il soit complètement corrodé au niveau des pistes à l'intérieur, qui sont des pistes tout simplement toutes nues. On se met en continuité. Ça bip. Le fusible est bon. Le fusible est bon. On va essayer d'aller voir l'interrupteur. Ok. Oh, les multimètres là-dessus. On va voir l'intérieur du multimètre. Pas du tout. L'intérieur du. L'interrupteur. Alors là, je sens que pour l'enlever, celui-là, ça va être un peu du sport. Volts, 16 ampères, oh bah minimum, hein. L'équivalent d'un défibrillateur, d'ailleurs. Hop. Ok, c'est pas mal. Et là, le seul souci que je vais avoir, c'est que j'ai plus mon outil qui allait bien. Dilou Dallas Multimètre. Et oui, tu as la ref. Okay. Ça c'est cool.
Tu vois déjà l'état dans lequel c'est. C'est pas la bonne couleur. C'est pas la bonne couleur à l'intérieur. Hein. Donc là, tu comprends un petit peu que c'est pas censé fonctionner. Et donc, il faudrait relier le centre avec celui à droite. Sinon que ça marche. Que ce soit rouge sang. Alors. Donc c'est bien hein, qu'il soit dans cet état-là. C'est très très bien. Parce que c'est une des causes potentielles qui fait que ça ne fonctionne pas. Et je préfère que ce soit un problème d'interrupteur qu'un autre problème, ok? On continue. Fin de stream. J'ai nettoyé la switch, le switch de ma SPK. Elle me disait H24 LED rouge, batterie et nickel, nettoyage. Puis j'ai plié un peu les pattes du switch et c'est reparti. J'évite de plier les pattes du switch quand même. Pas fan de les plier. Je le fais plus trop. Anoxa, oh là là. Merci beaucoup. Eh ben, au plaisir. Très content de vous accompagner dans votre morning routine, bien sûr. Merci beaucoup à toi pour ton troisième mois d'abonnement. C'est très gentil. Merci du soutien. Les abonnements soutiennent beaucoup la chaîne. Donc, une fois de plus, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas à lâcher votre petit prime, votre petit abo. C'est très gentil. J'avais un tournevis, il est là. Comme en 40, et j'ai juste un peu plié car elle était un peu trop plate. Ok, je comprends. Mais ouais, hein, ça maintenant c'est devenu un classique des réparations de GBA et GBA SP. C'est que je viens vraiment. Maintenant, je viens vraiment refaire le bouton power. C'est trop important d'en avoir un bien. La console, elle ne peut que revivre. Je suis pas sûr de réussir à le sauver, le bouton power. J'en ai un de remplacement au pire des cas, donc c'est pas trop grave, mais on va essayer quand même. Et Irgachev là-dessus, troisième mois d'abonnement aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci du soutien une fois de plus. Ça aide beaucoup la chaîne. Merci à toi. Il est bien brillant. Neo is back, 100 bits, tu sais, ça déclenche un train de la hype là-dessus. Et bonjour, merci beaucoup, chouchou. Merci beaucoup, Neo is back, c'est très gentil. Très très gentil du soutien, une fois de plus. Ça aide. Vous régalez. Hein. Merci beaucoup. Okay. On est pas mal. C'est gentil. Petit train live dès le lundi matin, comme ça régale. Ça régale de fou. J'ai quand même bien réussi à le ravoir. Hein. Il a la bonne couleur et tout. Il y a moyen en fait qu'il n'y ait pas trop besoin de le remplacer. On va voir si j'arrive à ravoir les petites lamelles. Ça, par contre, ça devrait être peut-être plus compliqué.
J'ai plus d'alcool iso. Aïe, 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 aïe. Fais comme moi. Bah, toi, à mon avis, en plus, vu comme tu consommes de la Switch, vu comme tu refais de la Switch, ça peut valoir le coup peut-être de commander un pack direct. Bah, j'ai commandé le pack de 6 bouteilles de 1 litre d'alcool iso. Impeccable. Je crois que c'était 30 euros les 6. Et j'en ai encore. Et Dieu qu'on en consomme de l'alcool. Pas autant qu'à Breton, je dirais, mais un petit peu quoi. Faut prendre le baril de 100 litres. 100 litres, ça fait beaucoup quand même. Eh bah, on a un interrupteur. Qui fait plaisir. J'ai recommandé 1 litre pour à l'instant. Aïe, aïe, aïe. C'est pas assez, 1 litre. C'est pas assez. Je pense que c'est ça qui va nous poser problème, plus que... C'est pas leur faute, c'est l'eau qui n'est pas potable. Bah oui, je comprends. Vu comme ça, je comprends. Toute la partie un peu Ça glisse bien mieux, mais est-ce que ça va marcher? Je sais pas. Je vais me mettre en continuité et on va faire le test. Le boson, 50 bits. Merci beaucoup. Ok. Ça devrait le faire. Je vais essayer de le redresser un petit peu. Et on va voir. Oh le bâtard. Ok. On va le refermer, on va tester comme ça et on va voir ce que ça dit si elle s'allume.
Ok. Moment de vérité. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va nous sauter à la gueule? Pas mal ça. Elle revient de loin quand même. Est-ce que l'interrupteur... y a même du son et tout. Et oui. Ok. Donc ça, si c'est reparti, déjà, c'est cool. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Ok. Donc, c'est quand même bien reparti. On va défaire ça. Défaire ça. J'aimerais bien essayer de gratter un petit peu. Le problème, c'est que là, pour venir vraiment tout clean, ça va être compliqué. C'est plus Peter. C'est plus pété. Histoire de faire durer le plaisir. Même pas, t'as vu. À chaque fois que je regarde l'écran, tu joues toujours à River. Ah, mais ça reste un classique en même temps. En même temps, vous voulez jouer à quoi d'autre? Driver, je comprends pas. Vous jouez à autre chose que Driver, vous? Il y a d'autres jeux qui existent que Driver? Non, je pense pas, non. Je vois pas l'intérêt, je comprends pas. Et bienvenue à toi, Garde à Lyon. Merci pour ton follow. Bienvenue. Alors, on va tenter un truc que j'ai vu sur plusieurs vidéos d'internet. Si je prends ça, donc c'est une espèce de nylon, de petits fils de nylon. À Pipou Simulator 2023 à seulement 69 € sur Steam. Pipou Simulator, tu dis, hein? Je prends note. Je vais juste voir. Si ça aide un peu pour la corrosion. Bah, spoiler, hein, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde, ça fait absolument rien. Je vais essayer une autre. D'accord. Et c'est le fil de Nicourt. Intéressant ça. Intéressant. Et ça, je vais uniquement le faire. C'est complètement déséquilibré. Ça a tout fait. Uniquement le faire sur le connecteur. Hein.
C'est moi ou ce truc crache une espèce de gras Ouais, il y a une espèce de gras dessus. Super. Super. Bon, bah tout ce qui est outil brosse métallique, c'est pas bon bail, hein. Enovitch, 11e mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil, Enovitch. Merci beaucoup. Bon, c'est quand même bien mieux. C'est quand même bien mieux. Hop. C'est quand même bien mieux. Ok. Toute façon, une console corrodée, pour enlever toute la corrosion, c'est quasi... C'est quasi impossible, faudrait les passer dans je sais pas quoi. Dans les espèces de bains du Gange là qu'ils ont là. Dont eux seuls ont la recette. Et Charles là-dessus, 5e mois d'abonnement, merci beaucoup. Bah décidément. Ce matin, ça a égal de fou. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci pour les abos. Ça fait très plaisir. Merci de renouveler vos abonnements là-dessus. C'est très très gentil. Merci beaucoup. Ok. Parce que là, en fait, là, ce qu'il faut qu'on fasse et ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à fiabiliser la machine. Il faut qu'elle tienne, en fait. Qu'elles tiennent dans le temps. Et ça serait pas mal. Ça m'attendrait de payer les modos. Tout à fait. Un jour, bah, je pense que le jour où on arrive à payer les modos, attention, hein. C'est qu'on est bien. Hein. C'est qu'on est très très bien. Hein. Parce que je crois qu'il y a des. Je sais... je connais pas de streamers qui payent leurs modos. Ou souvent, les modos font aussi office de community manager. Premier ne repartira plus à la réunion. Ah bah oui, après. Bah elle a le droit d'y retourner, quoi, mais elle reste dans ta poche.
oui, d'accord. Et du coup, Charles qui offre 5 abonnements comme ça. Oh là là. Merci beaucoup, Charles. C'est très gentil. Merci, Becu. 5 abonnements offerts. Eh, bon, dis donc, ça régale. Ça régale de fou. Hein. Merci énormément. C'est très gentil. C'est très gentil. Et bienvenue, du coup, à Gundor, Nemesis Panda, Luvaya, Lénad et Lotérion. Eh oui, merci beaucoup. Et Flo avec un point. Bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Hein, vraiment, le soutien pécunier comme ça, là, ça aide beaucoup la chaîne. Donc, merci énormément. J'aimerais bien que tu te soudes. Peu concentré, hein, j'arrive. J'ai pas l'impression que mes soudures, elles accrochent. Hein. Et oui, hein, remerciez bien le bon Charles, hein, pour ceux qui ont reçu leurs abonnements gratos. Hein. Ça fait plaisir. Ce genre de régalade de bon matin. Et ça remplit le frigo, tout à fait. Désolé, un petit coup de fatigue. Hein. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de propre sur tout le reste. Comme on fait à l'habitude, on va la tester cette fois-ci avec les membranes, les boutons et tout. Et ensuite, on va commencer à installer le mode. On enlève le screen. Aussi appelé écran en français. Si je peux vous donner des petits tips de langue comme ça me fait plaisir. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est l'entretien complet du bazar. Donc, alcool ISO, on imbibe les deux boutons L et R, et on tâtonne. Et tu tâtonnes, et tu tâtonnes, et tu tâtonnes. Les humains aux F. Oui, c'est vrai que ça permet de nourrir les chats. C'est vrai, aussi. Ok. On va passer un petit coup sur les pads des différents boutons qui sont quand même bien attaqués. Mais normalement, je pense qu'ils sont quand même conducteurs. Ça devrait le faire. Et.
On va passer à un ch'ti coulé dedans. Comme ceci. Et tu vois, même ça, c'est pas en si mauvais état que ça. Donc je pense que vraiment là, le gros souci qu'elle a eu celle-ci, il n'est même pas de cause naturelle, il est vraiment de cause oubli de pile dans la console. C'est vraiment le gros souci qu'elle a eu. Sinon, en vrai de vrai, elle n'était pas si mal que ça. Hein. En vrai de vrai, elle n'était pas si mal que ça. Si les piles. Mais c'est un classique, hein, ça. Tout le monde a laissé sa console dans le placard avec les piles dedans. Et ça, ne le faites pas. Hein. Quand vous n'utilisez pas une console, quand vous avez la possibilité d'enlever les piles ou la batterie, faites-le. Hein. Parce que vraiment, ça évite ce genre de choses. Parce que là, vraiment, on n'aurait pas eu grand-chose à faire. Hein. L'interrupteur, on l'aurait quand même démonté et nettoyé, ça, quoi qu'il arrive. On ne serait pas passé autant de temps sur le nettoyage, à gratter les pistes et tout, pour les ravoir. Voilà. Ok. On va venir. Hop. Comme ceci. Il n'y a pas besoin de conserver à Paris, bien sûr. C'est ça. Toutes les consoles d'ailleurs qui sont là dans le décor, sachez qu'il n'y en a aucune qui a ses piles ou sa batterie. Les seules qui les ont, c'est celles qui ne sont pas amovibles, genre la batterie de la PS Vita. T'es obligé de tout démonter pour enlever la batterie. Et elle, en l'occurrence, j'essaye de les recharger de temps en temps pour les refaire. Les faire marcher un petit peu. Sa manette Oculus, tout oxydé là-dedans. Oh, tout merdé, ça en a bouffé la nappe du joystick. Oh là là, et puis alors là, Oculus en plus, c'est la merde parce que niveau pièces de remplacement, c'est mort de ouf hein, de trouver des pièces de remplacement dans un Oculus. Tout ce qui est VR comme ça, là, c'est compliqué, hein, vraiment. Ok. On va la retester. Je vais regarder si t'as les membranes là-dedans. J'avais trouvé ça. Ah bah ça va alors. Parce que bah, c'est quoi alors la dernière fois que j'avais. C'est pas moi qui avais galéré, c'était un youtubeur des internets qui avait galéré à trouver des pistes justement des composants pour une de ses consoles VR. C'était peut-être un HTC Vive et pas un Oculus, je sais pas. Et c'était la batterie qu'il avait cherché. Il trouvait pas la batterie. Alors ça, on va le mettre comme ça. Je vais peut-être rebrancher l'écran avant, ça peut servir pour tester. Là, on va tester les boutons et tout pour être sûr. Bon, pareil, l'écran, hein, je vais malheureusement pas le conserver. Hein, celui-ci, c'est le filtre qui est sur le dessus en plus. Et il me semble que le filtre polaire. Ah non, si, sur celui-là, il se change, il se remplace. Ça, malheureusement, ça ne m'intéresse pas. Bah, maintenant, dès qu'il y a un écran HS, c'est IPS. Puis c'est tout, quoi. C'est tellement une plus-value de mettre un IPS. C'est tellement intéressant sur les écrans qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, ça? Petit bout de plastique qui s'est barré. Rien de méchant. Bah, là, de ce que j'avais vu, c'était justement le souci qu'il avait, c'était que. Ah, mais ça va être la merde pour tester les boutons. On va se débrouiller. On va se débrouiller. Donc, le moins. Le plus. Mettre ça comme ça. Sur le plus, il va se barrer.
Et ça donne envie, là, dernièrement, depuis que j'ai fait de la VR dans un, dans une, tu sais, les espèces de bar à jeux, là. Non, c'était même pas des bar à jeux, c'était un escape game VR, où c'était leur spécialité, la VR. Et j'avoue, ça donne envie de s'en acheter un, quand même. Un petit Oculus ou un truc comme ça. Ou un HTC, je sais pas. Ok, on va mettre en route. Il y a de la consommation, mais j'ai rien. Besoin. Bah oui, toi en plus, t'as fait pour un jeu qui fait de la VR. Il est en VR ton jeu là, la capsule là. Non, je me trompe pas. Toi ça va, tu vas bien? Pour y a un truc qui lui a pas plu, visiblement. Je vais la retourner. Ouais, je sais même pas pourquoi je me prends la tête. Il y a déjà la mousse pour éviter que ce soit conducteur. Faut le voir l'écran quand même, hein, avec ce filtre claqué au sol là. Ouais, vous voyez rien du coup. Ouais, on voit que dalle. Ça, j'ai l'impression que ça marche pas. Désolé, vous voyez pas grand-chose, hein. Ça marche. Ça marche. Gauche. Droite. Haut. Bas, c'est bon. Je fais pas de son. C'est bon, j'en ai. Okay. Select, ça marche. J'aimerais bien tester L et R pour être sûr. Ok. J'avance. Je peux rentrer dedans. Je peux klaxonner. Ok. Tous les boutons sont fonctionnels. Tout elle est 100% fonctionnelle. Il n'y a que le jack. En vrai, j'ai essayé le câble jack pour voir. Et normalement, on est bon.
Ok. Attendez une petite seconde, je reviens. Je vous mets une petite page de pub et j'arrive tout de suite. Je reviens juste vite fait. Oui, chez vous, il est mort. Chez vous, il est mort, mais regardez, il fonctionne. Il fonctionne, c'est juste le filtre polarisant, il est claqué. J'arrive tout de suite. Je vous mets juste une petite page de pub et j'arrive tout de suite. Elle est chelou cette musique en plus. J'arrive.
Et rue. Ok. Maintenant que ça c'est bon, on va pouvoir attaquer la suite. Elle fonctionne bien, elle a l'air de tourner, ça a l'air pas mal. J'ai les écouteurs qui fonctionnent, c'est pas mal aussi. On sait que tout roule. Il nous reste plus qu'à. Ben, il nous reste plus qu'à tout. Qu'à la modder et lui mettre sa nouvelle coque, son nouvel écran. Et on sera pas mal. On sera pas mal pour celle-ci. Allez, on fait ça. Tac. Alors, une fois de plus, là, c'est un écran IPS de chez AliExpress. C'est un écran IPS de chez AliExpress. J'espère qu'ils ont au moins. Ah bah, déjà non, c'est sûr. Ah si, peut-être. Ils ont peut-être prédécoupé la coque. Ça serait bien qu'ils l'aient prédécoupé. Ah, faut que je vous remette la musique. Ça serait bien qu'ils aient prédécoupé. Ah, c'est bien, bah du coup, il y a deux vitres. Il y en a une là. Donc c'est une coque transparente. Ah, attendez. Je reviens. Je reviens. Je vous laisse ça comme ça. J'arrive. Ok. Tu as du très bon parfois, meilleur que Funny Playing, mais tu as aussi du pire. Ah ouais? J'ai souvent eu du pire. Tu as du très bon. Je change de playlist, hein. Elle était bien, mais j'ai envie d'en mettre une autre. Ok. Ok, on va essayer de voir si on peut poser l'écran sans se prendre la tête. J'y crois assez peu. Donc l'écran qui est là, et il va falloir qu'on le teste d'ailleurs. Il va falloir qu'on le teste pour voir s'il est bien. Alors, est-ce qu'il passe dedans? Il y a moyen qu'il soit quand même bien prédécoupé. Alors, c'est bien prédécoupé, mais on va dire qu'on a vu mieux quoi. Donc, on va faire au mieux. Hein. De toute façon, il n'y a pas de magie là-dessus. Une voiture. Oui, j'ai vu l'Othérion. J'ai vu ça. Ok. Écran BlackBerry. Ouais, il paraît que c'est ça, ouais. C'est des écrans IPS de BlackBerry. Ok. Donc on va mettre ça, hop, comme ceci. Parce qu'il faut qu'on la teste, hein. Il faut vraiment qu'on teste l'écran avant de le monter. Alors on voit que c'est fait pour les deux. C'est fait parce qu'en gros, il y a deux types de d'écrans utilisés sur les GBA. Il y a des 40 et des 36, 32, je crois que c'est ça. Ou 42, 38 ou 42, je sais pas. Ouais, c'est écrit 32 juste ici, mais je sais plus c'est lesquels les autres. Je sais plus. Très bien. Ok.
On prend ça et on va juste le mettre en route pour s'assurer qu'en gros le mode fonctionne bien et qu'on n'ait pas de pixels de mort. Ça, c'est important. On met le plus sur le plus. Le moins sur le moins. J'envoie le courant. La nappe est dans le bon sens. Je l'ai mise dans le mauvais sens, c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est l'un dans l'autre sens, putain. Je suis ailleurs. Heureusement, ça pose aucun problème. Mais oui. C'est simple. L'écran est comme ça et on voit que c'est rebiqué comme ça. Donc oui, elle est dans le mauvais sens. Heureusement que vous êtes là et que ça suit. Ah, du coup, c'est chiant ça en vrai. J'espère vraiment que l'écran est pas mort, parce que c'est tout de suite plus chiant pour se retourner. Dès lundi matin, c'est pardonné, c'est gentil. Je m'en serais vite rendu compte, hein. De toute façon, ça marche pas, ça marche pas. Mais on est pas mal. On a l'écran qui est en bon état, la nappe, le mode qui a l'air d'être en bon état aussi. Donc ça veut dire c'est cool. Et on est passé de en gros 70 mAh à 200 mAh de consommation. Ils l'ont envoyé à l'envers. Ouais, c'est ça. C'est de leur faute. C'est pas de la note. Ok, c'est bien parti. Maintenant, il faut tout installer proprement, sans rien casser. Ça va être une autre histoire. Et surtout bien le poser quand même. Ah bah oui, la différence. Ça consomme quand même un peu plus, hein. De pas de rétroéclairage à un IPS. J'adore l'eau. C'est lui qui a Dari. C'est pas moi qui suis con, c'est les autres qui expliquent mal, tout à fait. Bouton power qui a l'air de faire le taf et pas forcément besoin de le changer, hein. On est bien. La différence, ah bah oui, qualité, que ce soit consommation qualité, les deux est folle, hein, de toute façon. De Sakura, aucun problème de batterie. Ah bah oui, il est bah, Sakura Retro Modding, hein. Bien sûr. Le son est ok. Ouais. On l'a testé tout à l'heure, le son est bon. Ok. Alors, est-ce que déjà la découpe a l'air pas mal du double face. Celui d'Eben. Ok. Ça, c'est cool. On va venir coller ça en premier. Alors, le seul souci, voilà, de l'expérience que j'en ai, il faut coller le LCD en haut à droite, quoi qu'il arrive. Le fil à souder qui permet de régler l'humidité via Select LR. LR. Oh, oui, tout à fait, Bluetooth. Tout à fait. Bien sûr. Ça, on les teste qu'après, de toute façon, une fois que c'est soudé, le SAV n'en veulent plus. Et là, pour le coup, la découpe du double face, elle est bien. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool.
Contrairement à ce qu'on a sur les Funny Playing d'ailleurs. Ou Retro 6. C'est ici l'effet restauration, tout à fait. C'est bel et bien ici. Alors. Ok. Donc le but étant de bien le coller pour pas qu'il dépasse du cadre et qu'il soit bien sûr invisible. On n'est pas trop mal. Ok. Impec. Impec. Ça c'est cool. On va essayer de le placer comme il faut. Je vais mettre à gonfler le compresseur tout de suite. Et lui, du coup, on va venir le placer directement à droite. Donc, comme ceci. Ok. On le place. Et ensuite, on place la vitre en verre. Ah oui, celle-ci, elle est en plastique. Elle n'est pas en verre. Celle qui est fournie avec la coque, elle est en plastique. Par contre, celle qui est fournie avec le mode, elle est en verre. C'est quand même mieux le verre. Combien coûte ce mode? Bah, Bluetooth, tu te souviens du prix? Et souvent, c'est 45 à 60 euros max, je crois. Un truc comme ça. Parce qu'après, ça vient comme ça. Et après, on peut venir souder les fils ici. Oh, c'est chiant, il y a des traces. Il y a des traces. C'est chiant. Donc on va essayer de les enlever sans faire de rayures, mais ça, c'est pas gagné. Est-ce que c'est vraiment fragile? Oui, en plus de ça, c'est les traces qui partent pas. Alors, le gros avantage, c'est que ce sera quasi invisible quand elle est en route. Mais en fait, c'est, je pense, comme le sticker, ça fait longtemps de protection, il est posé dessus depuis très longtemps. Bah, forcément, il fait des traces.
Une fois de plus, hein, ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La poussière, elle reviendra quoi qu'il arrive. Mais il faut se dire un truc, c'est qu'il faut faire juste au mieux et pas qu'il y ait un gros walp en plein milieu. Sinon, ça posera problème. Bah écoute, au plaisir, hein. De plus, ça reste des consoles. Oh là, ça va être chiant. Mais what? Oh la vache. Ça, c'est relou, comme d'hab. Ok. Où est mon petit chiffon? Je l'avais il y a 2 secondes. Il est là. Putain, mais je comprends pas. La vitre est neuve et t'as quand même des traces sous l'écran. T'as quand même des traces sous l'écran de. Ça se voit à peine, hein, mais ça me saoule. C'est vraiment pas des vitres de qualité à chaque fois. Je vais voir si j'arrive à la décoller un petit peu. Salut M Master. Si je peux lui mettre un petit coup de propre. Salut Kitsiakina. Salut à ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. On s'occupe de cette petite GBA. Ok. C'est fou la colle qu'ils ont mis. Je sais pas, t'as l'impression qu'elle a bavé et tout. Un petit coup de polish, bah, bien sûr. Le fameux. C'est Jimanob, c'est le seul qui arrive. Hein. Bien le bonjour, bien le bonjour. Ça, je suis même pas sûr le fait que ce soit in AliExpress, que ça change grand-chose. Mais... Des batteries pour cette GBA. Alors, il y a Funny Playing qui en fait maintenant. Il y a Sakura Retro Modding, il y a Retro 6, il y en a plein qui font des batteries pour ce genre de console. Maintenant, à toi de voir. T'en as plein sur AliExpress aussi. Je dirais que c'est peut-être le site où il faudrait le moins acheter de batteries.
Ça a l'air très bien, mais je sais par expérience qu'une fois que tu reposes, c'est pas très bien. Fait, ce qui m'embête là sur la vitre, donc déjà il y a une trace. Si vous la montrez, mais ça va être dur. Là, ça me fait chier. Et il y a de la colle qui a bavé en fait. Il y a de la colle qui a bavé en haut. On est sur une vitre de piètre facture, malheureusement. Là, s'il te plaît, décolle-toi sans casser. Voilà. Il faut se débrouiller avec ça. Réussir à faire au mieux. J'aimerais au moins enlever la trace au centre là. Essayer de gratouiller avec un petit médiator le. La colle en haut. Okay. Suis pas très bavard, je suis concentré. J'aimerais bien enlever les traces. On va faire au mieux, hein. Une fois de plus, hein, vous le savez. Lucilda, comment tu vas? Essayez voir. Alors, putain, j'ai oublié de. Niveau trace, on est bien. Attends, enfin, je vérifie quand même. Niveau trace, on a l'air vraiment bien. J'ai oublié d'enlever les poussières sur la dalle LCD en elle-même. Et après, on sera pas mal. Parce qu'on a vraiment de la grosse poussière. Ouais, on est très très bien.
Là, c'est juste de la poussière. Ça devrait être cool. Laisse recharger le compresseur, ça devrait être pas mal. Je vais regarder vite fait sur internet, vous savez, savoir où il faut souder les petits fils et on sera bien, ouais. On sera pas mal. IPS mode GBA. Elle revient quand même de loin, hein, la petite machine là. On va regarder sur AliExpress, hein, comme d'hab. C'est souvent eux d'ailleurs, hein, c'est souvent sur AliExpress qu'on retrouve l'information. Contrairement à d'autres sites. Donc là, visiblement, c'est une soixantaine d'euros le mode. Avec la coque et tout. Alors, montre-moi. Ah, c'est le TFT là. Oh là là. Ivenem, merci beaucoup. Troisième mois d'abonnement, c'est très gentil. Merci du soutien. Ça régale. Ça régale fort. Merci beaucoup. C'est marrant, c'est les photos de chez Funny Playing. Ils ont mis les photos de chez Funny Playing. Merci beaucoup, hein, vraiment. Vous êtes beaucoup abonné ce matin et ça soutient beaucoup la chaîne, donc merci. Ça aide fort. Ça aide fort. Je sais pas pourquoi je referme. À tes souhaits, merci. Il fait nuageux aujourd'hui. Ils annonçaient très chaud, mais au final. Peut-être qu'on va être pas si mal que ça. Ok. Et là, normalement, on devrait être pas mal. Sachez que ça, c'est vraiment le truc le plus chiant du mode, hein. Pour moi, c'est vraiment ça, le truc le plus chiant. Il y en a qui arrivent à le faire peut-être très rapidement. Il y en a qui le font pas du tout. Le fait qu'il y ait de la poussière ou quoi. Chacun fait comme il veut. Et en course, on est déjà 40 au soleil ici. Allez, cool. C'est bien ça. C'est quand même bien mieux. Ça fera très bien, très bien, très bien l'affaire. Ok. On va venir souder les petits fils maintenant. Avant de les poser sur l'écran. Pour une fois, on va le faire à l'avance. Et c'est marrant, c'est que vous voyez, c'est une grosse puce. D'habitude, c'est une petite. Sont moins exigeants, surtout, ouais. Alors, il y en a certains, vraiment, ouais. J'en ai vu faire en live. C'était en live? Non, c'était pas en live. C'était sur une vidéo YouTube, je sais plus. Non, c'était en live. À pas souder les fils et tout. Chacun, on va dire, chacun fait comme il veut. Et j'avoue que moi, ça passe pas, ça. Oh, le bâtard de fil! Plus c'est gros, plus c'est gagné, ouais. 11h40 à sa porte, on va dire. Tout à fait. L'heure est importante.
Non, mais surtout que des petits fils comme ça, quand tu fais des mods régulièrement, c'est vraiment pas grand-chose. Là, c'était vraiment une histoire de flemme, je pense. C'était vraiment une histoire de flemme. On va poser ça. Donc ça, c'est un petit film à mettre sur l'arrière de l'écran. C'est pas collé, c'est pas un double, un scotch. Hop, bah c'est bien la première fois que je le pose aussi bien, tiens, ce truc-là. Et c'est pour éviter justement tout faux contact. Et du coup d'avoir des problèmes avec le temps. Hop, on va mettre ça. Moi j'aime bien coller le petit PCB, hein. Et chacun fait comme il le souhaite. Une fois de plus, j'ai pas la science infuse, hein, sur ces modes-là. Je suis pas le modeur le plus compétent. Est-ce que ça se redécolle bien, ça, ou pas? Je vais mettre du plus fin. J'ai mis trop épais là. Et trop épais, c'est pas terrible. Ça fait une épaisseur et ça me plaît pas. J'aime bien quand c'est bien fait. Comment on va faire pour ça? Je suppose que c'est censé passer comme ça. C'est un enfer. Comment ils font pour le pliage? Parce qu'on n'a pas du tout la même. D'habitude, c'est l'inverse en fait. On va se démerder, hein, tant pis. C'est pas grave. On va se débrouiller. Donc on a ça à mettre. Donc c'est nous, on doit brancher celui-ci et pas celui-ci. C'est ça. En fait, t'es censé le replier comme ça. Et comme ça, après, hop, tu peux venir le brancher comme ça. J'improvise des trucs et ça a l'air d'être bon. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, je vais mettre des petits bouts de scotch pour m'assurer qu'on est bien sur Start et Select et tout. De l'origami avec ce mode, ouais, c'est un peu ça. Ça c'est R, ça c'est L. Il faut pas qu'on oublie de souder Select en premier là-dessus. Donc ça c'est R, ça c'est L. Ok. On va prendre ça. Ça. Et ça, on va venir le coller comme on peut. C'est-à-dire comme ceci. Ça fera l'affaire, qui est pareil, une espèce d'isolant pour le schmilblick. Ok, on va mettre tout ce qui est neuf.
C'est pour lire la notice, ça va, super. Super. Comme cela, comme ceci, le petit bouton juste là, gris, on va mettre les nouvelles membranes. Là, on est sur un vrai sauvetage, hein. Sur celle-ci, elle revient de loin quand même. Et au final, vous avez vu que vraiment un coup de nettoyage complet de tout et ça a l'air de repartir. Faut pas vendre la peau de la charrue avant de la mettre sur l'hôpital qui sous la charité. Mais on est pas mal, je trouve. Les vis, mais non. Alors ça, le mode là, théma. Les vis. D'habitude, c'est pas ça qu'on reçoit. D'habitude, c'est ça. C'est des vis complètement claquées au sol. Là, ça a l'air d'être des vis d'origine. Genre, elles ont la même couleur et tout. Elles sont en tri-wing et tout. Bon, franchement, je vais tenter de les utiliser. Ah, bien sûr, l'hôpital qui se fout de la charrue avant les bœufs, bien sûr. Un classique. Un classique. Mais nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Donc, on a Select à venir souder en premier. Hop, 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 hop. Select, il se soude normalement sur TP2 ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. TP2. Ok. On prend L-fer à soude. TP2 qui est corrodé. Donc en gros, je gratte un peu pour essayer de vraiment récupérer le métal au possible, le plus possible. Ok, ça c'est TP2 et donc Select. Select, on s'en fout. Est-ce que je... Ce qui passe là. Je pense que c'est peut-être le mieux, ça évitera que... Bah du coup non, de l'autre côté. Ici. Ça évitera qu'ils viennent embêter. Les différents pads. Enfin, si j'y arrive. Ça. Voilà, comme ceci. On va venir le faire passer comme ça sera bien.
pense que ce sera mieux. Comme ça, tous les fils seront du... Qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est ça. Et là, normalement, on peut la refermer comme il faut. Donc ça, ça et ça, on va les faire passer comme ça. Par contre, je me demande si la grosse nappe ici va pas me saouler. Est-ce qu'il faudrait pas que je la replie genre comme ça? Mauvaise idée. Comme ça. Je vais mettre un peu de duct tape. De Captain Tape plutôt. Je dis tout le temps duct tape. Et duct tape, c'est quoi? C'est le gaffeur. Duct tape. Non? Et comme ça, on n'a pas de contact qui risque de nous embêter. Parce que si ça fait des faux contacts avec tout ce qui se passe ici, sachant qu'on a le CPU, la RAM et tout, on va éviter de faire des bêtises. J'essaye de le plier un peu, comme ça. Et ça irait comme ça. Là, on a le petit haut-parleur. On branche l'écran. En gros, faut essayer de faire au plus solide. Elle va avoir un vrai flow, hein, je pense, à la fin, cette petite machine-là. Donc, on remet pas toutes les vis. Non, on remet pas toutes les vis. On remet ces deux vis-là. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en a pas trois. Ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a l'air bien en place. Voilà, la membrane, elle a l'air un peu. Elles sont vraiment. Elles sont vraiment légères, hein, les membranes là. Elle me plaise pas trop, c'est l'Urax. Sont vraiment toutes molles. Vraiment toutes molles. Genre AB là, t'as aucun feeling. Mais AB, ça reste le moins pire. Genre, tu peux. C'est limite si tu peux appuyer sur le bouton sans faire exprès, tellement c'est. Tellement il n'y a pas de feeling. Ça me plaît pas. Faut que le feeling soit bon. C'est aussi pour ça que j'ai gardé les membranes d'origine de côté.
Il n'y a que peut-être Start et Select que je vais pas revoir. On va essayer de le nettoyer, de le récurer un petit peu. C'est Mac Knight, comment tu vas? Non. Parce que Start et Select, ils sont quand même bien attaqués. Hein. Est-ce que de l'autre côté, esthétiquement, ça peut être pas trop jauni? Je crois que Start et Select, on va être obligé de mettre les membranes neuves. Parce que celles-ci, tu vois, elles sont pas folles. Celles-ci sont mieux. Celles-ci, tu vois, c'est que de la poussière. On va venir les nettoyer et les mettre en place. Et pas les deux autres. Pas Start et Select. Start et Select sont trop. Je sais pas. Je suis pas fan. Start et Select, comme c'est les seules membranes qui sont apparentes, qui ressortent de la coque, souvent elles sont décolorées. Bah écoute, on s'occupe de cette GBA. Qu'elle est. Elle revient de loin, celle-ci. Hein. Et t'es quoi? Et toi, c'est quoi ta dernière réparation pendant ton live là? Je sais plus ce que t'as fait la dernière fois, je crois que t'as fait du jeu. Fait, la dernière réparation que t'as fait, c'était la PS2 que t'as pucée. Quand j'étais passé sur ton live là. Ou c'était une autre? Attends, je réfléchis. T'as pas fait une Game Gear entre deux? Une Game Gear entre deux, je crois. Ok, ça c'est clean. Ça fera le taf. Celle-ci devrait. Elle devrait le faire aussi. C'est du live. Ah oui. Ouais, c'était la Game Gear et le CD IPS. C'est beau ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau ça. Petit coup d'alcool ISO. Suis encore dubitatif pour Start et Select. Hein. Je sais pas si on va voir, si j'arrive à voir un truc intéressant. Ils sont tellement décolorés et tout. Ok. Tac. Alors, ça, il y a zéro feeling, hein. Mais dans le genre zéro, j'ai rarement eu aussi peu de feeling qu'avec celle-ci. Pourtant, c'est bizarre, hein, une fois que tu l'as en main. C'est quand même mieux, hein. Ceux d'origine sont là. Festival 2 semaines. Ah, t'as bien raison. T'as bien raison. Repos, repos. Là, tu vois, par exemple, Start et Select, t'appuies dessus. T'as vraiment l'impression qu'il n'y a rien du tout. Je vais décaler un petit peu la mousse. Je sais pas, c'est trop bizarre. Et ça, pareil pour A et B. Ouais, les membranes, elles sont toutes. Ah ouais, elles sont mal fichues. T'es mal comme elles sont hyper transparentes au niveau de la jointure là. Et c'est pour ça que c'est pas terrible. Alors que là, tu regardes, c'est bien plus épais. tu peux y aller, quoi. Ça, c'est mieux. Hein. On va remettre ça. Que Start et Select ou Start et Select, l'intérêt, ce qui est bien dans cette histoire avec Start et Select, c'est qu'au moins c'est les seuls. T'appuies pas tant que ça dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement à A, B et croix directionnelle, L et R.
Et encore, LR sur GBA, c'est pas hyper utilisé non plus. J'essaie de voir si je peux rattraper la couleur, mais non, je la rattraperai pas, donc... Tant pis. Hop, on va remettre ça comme ça. Toi, si je peux te remettre dans le bon sens. Toi, je vais pas trop t'enfoncer. On va essayer de garder un feeling peut-être intéressant. Ok. Franchement, quand tu appuies sur le bouton, tu as l'impression de rien appuyer. Franchement, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Ouais, c'est mieux. Avec les vis, ça le fera. Ah oui, ça c'est bien ça. Start et select, ça le fera aussi. T'as pas le petit clic, tu vois. T'as pas le petit. Comme quand t'appuies dessus. Ça fait une espèce de petit retour. Ça fait une espèce de. Tu le sens pas trop. On va voir si ça le fera. Ça le fera, ça le fera. Ok. On va installer LR. Tac. Donc, L, on a dit, c'est lui et il va là-dessus. Il vient ici. Vous voyez de ouf ce que je fais. Ça c'est pas du tout là. C'est pas du tout là. Ça c'est un ground, je crois. Je me disais aussi. Hop. C'est pas grave. Je me disais que ça galérait un petit peu à souder. C'est pas pour rien. On refait la soudure avec du flou pour qu'elle soit jolie. Ça, c'est mieux. Et on va faire R. R qui est du coup normalement. Et de l'autre côté. Juste ici. Essayer de ne pas se tromper. Voilà. Donc L et R sont installés et non pas sur un bateau. Et on va essayer de placer ça. J'aime bien le passer sous port cartouche. Comme ça. Essayer de le placer comme il faut. Pour que ça tienne et que ça ne nous embête pas. Est-ce qu'on peut essayer de faire un truc propre, genre comme ça?
Ok. On a bien placé ça. Normalement, c'est pas trop mal. Ça devrait faire le taf. On va mettre ça comme ça. Dézoome un petit peu. Alors, est-ce que... Ils ont pas. Ah si, ils les ont. Cool. Parce que des fois, les contacteurs n'y sont pas ici. Et là, on les a. Et ça, quel plaisir. Parce que vraiment, quand on les a pas, c'est chiant. On met R. Ça passe. On met L. Ça passe. Ok, ça marche bien. Enfin, normalement, on peut le plaquer. Faut juste que je regarde. Faut juste faire attention à un truc. Il faut surtout pas que bah, les fils qu'on a rajoutés viennent être pincés. Et là, par exemple, je pense qu'il est pincé. Juste ici, je pense qu'il est pincé. Faut que j'arrive à le faire passer autrement. C'est-à-dire, genre, comme ça. Peut-être que ce sera mieux. Souvent, quand il y a des pastilles dorées, faut pas qu'il y ait un fil qui passe par là. Parce que sinon, ça bloque. Ok, ça semble pas mal. Je vais remettre au moins deux vis. Salut Eliav. Pour faire les tests. M'assurer que tout roule. Ok, ça c'est cool. Bon, ça va, elle. Barre-toi. Je te dirai rien. Ça c'est cool. Je vais mettre la petite cruciforme normalement. Ça c'est du tri-wing. Ça c'est du cruci. Et on va peut-être pouvoir la tester avec les piles pour la première fois. Il me semble que c'est aussi ça qu'on lui demande à la GBA SP. À la GBA plutôt. Tout court, c'est d'être portable. C'est marrant comment elle est faite la coque. T'as l'impression que les moules, c'est pas exactement les mêmes que ce qu'on voit d'habitude. Ok, petit jeu. On va tenter les piles tout de suite. Il y a plein de traces de doigts dessus, ça va être génial. Tirer mon truc de pile, il est là. Petite LED rouge, mes piles sont usées, hein. On baisse la luminosité, on l'augmente. Ah oui, quand on la met au max et qu'il n'y a plus de piles, elle aime pas ça. Hein. Je vais la baisser un peu. Ça a l'air pas mal.
Ça a l'air pas mal du tout, ça. Hein. Et c'est l'accident. Franchement, c'est top là. Hein. On va remettre toutes les vis. On va lui mettre un petit coup de propre. On sera pas mal. Hein. Le feeling est pas dégueu. Même la croix directionnelle, au final, avec ce qu'on a changé, je suis pas sûr que. Voilà. Le feeling est présent, mais tu sens que c'est une croix directionnelle de piètre facture. Au moins la membrane est bonne parce que je pense que le combo, enfin le combo des deux en tout cas était vraiment pas terrible. Merde alors, faut aller super loin. Ah si je suis là. Ok. C'est cool. Quand je vois la luminosité de ma SP, j'ai envie de dire, ah bah oui, la SP en plus c'est plus simple. Hein. Vraiment, c'est beaucoup plus facile sur la SP. Donc on va tout revisser. Merci pour les GG, en tout cas c'est gentil. Donc là, comme c'est la première fois que le filetage est fait, c'est nous qui le faisons en gros avec la vis. Donc c'est un peu dur à visser. C'est pour ça que je prends un tournevis et pas ma mon tournevis électrique. Je prends un tournevis manuel. Ah ouais, j'avoue que si t'as le budget, effectivement, faut pas trop hésiter, hein. Franchement. Hein. Ça fait un budget. Le mieux, c'est t'en profites, tu refais ta coque et tout. Tu changes ta coque. Ça fait le taf, hein. Franchement, ça fait le taf. Sur la SP, pour l'avoir fait plusieurs fois, franchement, c'est tip top. Et je pense que son propriétaire va être content de la revoir, sa petite machine. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a même pas eu besoin de changer l'interrupteur, qui vraiment, je trouve, dans l'état dans lequel on l'a retrouvé, est en très bon état. Je crois qu'on a encore un petit truc à faire. Je pense qu'à force de forcer comme un bourrin, ouais, je le tords. Je le tords à chaque fois à force de forcer. Je lui crée. Ah oui, d'accord, je l'ai fissuré en fait, à l'intérieur. Il est fissuré. Ah oui, il y a du jeu, d'accord. Bon, bah, on sait qu'il va mal rester dans les doigts, c'est pas grave. Hop, ça là, ça là. Et saut. Le. Alors chez Sakura Retro Modding, hein, si vous voulez des stickers pour ces consoles-là, vraiment, Sakura Retro Modding, c'est les meilleurs. C'est des holographiques avec écrit ici, juste ici, écrit Game Boy Advance et tout. C'est pépite. Hein. Vraiment, c'est pépite de chez pépite. Oh, celui-ci n'a pas l'air à la bonne taille. Ah ouais, non, il est pile poil, quoi. Bah, c'est pas trop mal. C'est pas trop trop mal. On va lui remettre des petites piles qui font pas la LED rouge et comme ça on peut faire péter la luminosité. J'ai le droit à un accident de couche avec mon gamin. Aïe 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 aïe, l'accident de couche là-dessus, terrible. C'est un débordement. Coup dur. T'as fait un constat, tout va bien. Ça nous aura pris quand même 2 heures, hein, cette petite histoire. Ça va. Hein. Quand tu vois dans l'état dans lequel elle était, 2 heures pour la remettre en pleine forme.
LED rouge, hein, forcément. Surtout que c'est des piles rechargeables que j'ai, donc elles n'ont pas la tension. C'est du 1,2 volts, pas 1,5. Donc c'est pour ça qu'elle écrit LED rouge. Et voilà. Bluetooth, ta petite GBA. Et au final, tu vois, je t'avais dit que j'étais pas fan des modes AliExpress. Et bah en vrai, mis à part les membranes et les boutons qui sont un peu fatigués, la coque est vraiment dans un état pas si pire. C'est vraiment bien. Salut Ouba, comment il va? Merci pour les légers. Écoute, on a réussi cette GBA. Calé. Le son qui marche bien, qui est relativement efficace. Ah bah, je vais pouvoir te renvoyer tout ça. Impeccable, une bonne chose de faite. Suis content. Clock et LCD, ouais, tout vient d'AliExpress et c'est pas du funny playing. La musique, par contre, du jeu, on peut la baisser, hein. Ça, y a pas de souci. J'ai failli acheter dernièrement GTA sur GBA, mais je sais pas, j'ai pas été conquis. Ça a l'air de quand même pas mal ramer comme jeu. Ouais, j'essaye Driver 3 hein, là-dessus. Bon, bah pour une console qui revient de très très loin. Donc toi qui es sur YouTube, comme tu as pu le voir, l'habit ne fait pas le moine. À l'intérieur, elle n'était pas en si mauvais état que ça. Du coup, c'est une console qui était surtout un petit peu poisseuse au niveau de l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle était quand même pas si mal. N'oubliez pas de ne surtout... faut pas oublier d'enlever les piles quand on n'utilise pas une console pendant longtemps. Et puis voilà, on a refait l'interrupteur qui était vraiment en très mauvais état. On a installé un IPS et une coque toute neuve. Un gros nettoyage s'imposait ainsi qu'un grattage de piste pour s'assurer que tout roule. Et puis voilà, on est sur une belle machine qui devrait durer, je l'espère, moult siècles. Des bisous sur YouTube et à très bientôt. Bye bye!